Allez, sixième partie. Au moins. Un fossoyeur. Rappelle-toi bien de lui. Ça seul est peut-être la montre. Là, on va baiser. Ouais, une prime de phénix. Néanmoins, t'as un œil de gorgone ici. Ouais. Mais les coffres qu'ils étaient avant, du coup, je vais pouvoir retourner là, ça va être fini. Des dieux, c'est ça. Je sais plus. Oui. Cela n'a jamais été fait. Tôt ou tard, les harpies me ramèneront votre dépouille pour que je la brûle. Michère bisquelette. Les dieux ont caché la boîte de Pandore ici afin qu'aucun mortel ne s'en empare. Encore 20 minutes et je suis mon dernier enregistrement. Porte à toujours plus de soldats. Et je place toujours plus de cadavres sur ces bûchers. À votre place, je partirai. Mais je vois que vous êtes déterminés. Très bien. Que les dieux vous confèrent la force de surmonter les dangers qui vous attendent. Bonne chance, Spartiate. Non, c'est pas... c'est... ok, c'est pas... Putain, mais y'a combien de harpies? Beaucoup. Elles apparaissent à l'infini ou... Les harpies, ouais. C'est... Là, il faut que tu utilises deux statues pour pouvoir bloquer le passage. Parce que t'as deux trous, tu vas avoir dans le mur. Il faut que tu bloques les trous avec les statues. Elles sont où, ces putains de statues? Tu verras, elles sont un peu plus en hauteur. Il faut que tu les fasses descendre, en fait, les statues. Elles sont pas tout en hauteur, mais elles sont un peu plus en hauteur par rapport au niveau où tu es. Ouais, je vois. Ah non, t'es sérieux, j'ai pas le temps. Oh, la colère des dieux guide ton âme, Kratos. Ça sert à quelque chose de farmer les harpies? Juste un peu de farming, c'est tout. Moi personnellement, je ne m'amuse pas à faire un donjon. Certes, t'as peut-être pas tout à fond, mais t'inquiète pas, t'as des armes qui compensent bien aussi. Enfin, t'as des attaques qui compensent bien. Elle donne plus de... d'orbes. Ouais, donc si elle donne plus d'orbes, ça veut dire que ça peut la peine. Et des
fois j'ai l'impression que dans le jeu ça bug quand tu veux faire les quick time, ça abuse. Pas mal, c'est sur les merde. Quand j'essaie de faire rond en faisant gaffe, des fois il me repousse alors qu'il y a le rond quoi. Ah bah des fois moi c'est, j'appuie sur la touche mais il me repousse quand même. Alors j'imagine même pas dans le 2 comment je vais galérer pour les autres trucs. Ouais, mais c'est peut-être parce que c'est le jeu qui bug, parce que moi ça, je sais pas, je sais pas du tout. Mais moi ça me fait quand même peur pour le 2, parce que sachant ce qu'il y a dans le 2, voilà, sans spoiler, je peux te dire que ça va bien être chiant si on n'y arrive pas quoi, à faire les quick time, on va recommencer souvent. Non franchement c'est une série qui peut être plaisante, donc je sais que je vais pas spoil pour j'ai pas envie de faire l'enfoiré. Ça, bien sûr, il y a toutes les barres qui décrochent. Ça serait trop simple. Allez, tout droit. Bah, des fois, il faut bien quand même qu'il y ait un peu de difficulté. Non, c'est pas drôle. Non, putain, je suis tombé tout à la fin. Ah. Là, t'es en train de sauver la femme, c'est ça? Là, je suis sur les poutres. Ah oui, d'accord, ouais. Donc, normalement, tu vas bientôt pouvoir sauver les barres. Coffre avec œil de gorgone ici. Oh putain. Allez, c'est parti. Bah de toute façon, ça va être mon dernier enregistrement aussi là. Ok, on peut pas passer par là. Dommage qu'on puisse pas courir. Ah, tu peux pas faire de course plus rapide que ce que tu n'as. D'accord, donc il faudra chercher une sorte de joyau. C'est chiant ce passage aux poutres. Passage que j'ai oublié ou quoi? Oh. Y'a un truc là-bas? Non.
Oh putain, ça me fait peur. De quoi? Là, le passage où je suis, ça me fait peur, les trucs. Je sauvegarde. Je suis à peu près à 2h30 de jeu. Je pense que tu dois avoir pareil. Je sais pas, je te dirai à la fin. Là, il reste encore 15 minutes. Voire 20 minutes. Et plus 15 minutes. Pour faire l'enregistrement, je crois. Je m'en doute. Ok, c'est une lueur qu'il faut. C'est pas grave. Tous les gars qui sont un peu cendrés. Comment tu les exploses? T'en éclates tellement de bonhommes là-dedans. Kratos, Kratos, vite! Y'a quoi derrière les statues? Y'a rien. Ça va servir à quelque chose alors. Des fois t'as pas toujours des trucs derrière les statues. T'as deux statues à déplacer, c'est ça? Ouais. C'est normal. Prends-les. Mettre sur les pylônes là? Il faut que tu les emboîtes l'une dans l'autre. Tu vois, je suis gentil, je te donne la solution. D'accord, il manque des gravures. Ah, ça m'a fait descendre. Ah, il faut juste faire tomber la première pour après mettre la deuxième au-dessus. Ah, faut mettre la deuxième au-dessus? Ouais, c'est pour ça que je te dis, il faut les empiler l'une sur l'autre. Et comment je te donne direct la solution. Normalement, t'as un truc pour pouvoir monter. Ah, un nouveau pouvoir. Seul l'oracle ouvrir cette porte, ok. Donc faut vraiment la sauver quoi en fait. Obligatoire. Elles ne vous permettront pas d'atteindre votre but. Je vous offre ma propre lame, celle que j'ai utilisée pour tuer un titan. Effectivement, il y a notre arme, c'est une lame. Venir à bout de votre quête. Prenez cette arme. De l'Olympe là. C'est une... Ah oui, ah bah je me rappelais même plus de cette épée là. Non non, c'est pas du tout l'épée de l'Olympe. Non, non, l'épée de l'Olympe, je t'ai dit, c'est dans le 2. Allez avec les dieux, Kratos. Avancez au nom de l'Olympe. Le défi d'Atlas. Ah, on remonte par où? Il me semble qu'en plus, elle est pas mal, cette arme. Je vois pas par où on remonte, en fait. Regarde à la gauche. Mais j'ai regardé partout là, j'ai fait tout le tour. C'est sûr qu'il n'y a pas un ascenseur que tu peux activer. Bah il y a la statue. Ah. Ok, il suffit de... rester dessus. Mais en fait, t'as craqué cette arme. Ah oui, mais non. Je vais d'abord améliorer mes lames. Vu que ça coûtait le prix des lames. De quoi? Je vais d'abord améliorer mes lames. Parce que là, j'ai récupéré la deuxième arme. C'est une grosse épée.
Bon, par contre, les dégâts, j'avoue qu'ils sont intéressants. Ouais, du coup, je sais pas si j'améliore quand même des lames du coup. On va voir combien de coups je vais défoncer. Non, je crois que je vais améliorer tout de suite cette épée. Tu n'as pas besoin de la placer, cette petite statue. J'ai du bas, je sais pas où on les place en fait. De quoi, les statues? Ouais. Juste une sur l'autre. Après. Ouais. Et après. Attends, parce que je me surpasse, moi j'ai plein d'actions en fait. Là où il y a quand tu auras mis l'une sur l'autre, après tu auras une sorte de creux au niveau de l'eau. Entre la plateforme que tu vas devoir monter et t'as un truc avec de l'eau sur le côté, il faudra que tu la mettes entre les deux. Et après tu pourras monter tranquille. Je fais super attention hein, parce que là c'est les gorgones en fait que moi je me tape. Donc vraiment que je reste concentré. Que ça peut tellement les vite. Ah mais cassez-vous. En fait je vois pas c'est pour le premier ou le deuxième que je tape. C'est du côté où il y a la plateforme, hein, je te parle moi. Ouais. Eh ben tu le fais du côté on va dire vers le haut. Je vois en fait où tu parles le point. Côté de la petite fontaine. Oui. C'est ça que je te parle. Ok. Et comment j'ai jusqu'à là-bas aussi? Attends, parce que là, faut vraiment que je me concentre, sinon je vais me faire tuer. Mais normalement, c'est simple. Tu. Là, si tu les as emboîtés l'un sur l'autre. Ouais, ouais. Bah après, pour monter, il faut que tu vas de tout près du. Normalement, t'es une sorte de porte là. Qui n'est pas ouverte. Tu vas là et c'est normalement c'est bon. T'as une porte qui est pas ouverte, tout de suite t'as un truc, tu peux sauter, tu sautes de là et hop. Parce que je sais que la plateforme tu peux pas sauter comme ça tout de suite ouais, dessus, c'est normal. Elle est pas ouverte, je saute comment pour. Bah tu sautes juste au-dessus. De sauter. Je croyais qu'il fallait un concours. Non, non, quand je te dis sauter, c'est vraiment sauter quoi. C'est pas. Y a pas d'entour loup. Ok. Non, non, toi tu meurs. Tu me laisses tranquille. Bon par contre je crois que maintenant je vais en abuser de l'épée. Je crois qu'en fait c'est celle-là la meilleure arme du jeu. Il y a de quoi faire avec l'épée. On a 56 secondes. Il faut que tu sois assez rapide pour le faire. Il faut pas rater un saut. Si tu tombes à terre, tu peux te dire que t'as perdu. D'accord, je vais le comprendre. Ah, tu m'as dit fail en haut peut-être.
Mais c'est ma pointure quand même. J'améliore l'épée tout de même. La plus puissante. Voilà, et après j'améliorerai mes lames. Que le design il a dû changer un peu. Si j'ai bien été attentif. Ok, la boîte de Pandore. Ok, j'ai déjà un bouclier. Je sais pas s'il me refaudra ce truc. Je vais regarder. Okay. Peut-être pas. Alors, tu disais quoi? Vu que c'était cinématique, tu t'as coupé un peu, mais bon. Non, mais je disais là, je crois que l'épée a dû changer de forme parce que j'ai amélioré mon épée pour que l'épée. Ouais, mais bah, moi, je sais, les petites lames. Elles ouais, changent, hein. Ça les améliore un peu, ouais. Maintenant j'ai sur une arme j'ai les runes. Ah mais moi là je viens de faire l'épée niveau 2. L'épée elle est violente déjà. Ah bon? Elle est mieux que les. Ah bien plus forte. Pour te dire mes lames de niveau 3, l'épée elle est déjà il me semble niveau 1 plus puissante que les lames niveau 3. Ah mais peut-être que elle a moins de portée. Bah oui, elle a moins de portée vu que c'est du corps à corps. Moi ça me dérange quoi. Ah. J'arrive pas à sauter sur les coffres. Il est planqué ici. Non. Ah, cette vue, elle est horrible pour apprécier les distances. C'est... J'ai débloqué un passage. Et des gorgones. Alors. Oh, vous êtes sérieux? Oh, ça c'est nul. Bah tiens, j'ai arrêté à cette sauvegarde là. Oh, moi je continue un peu. Oh d'accord, oh les fumiers quoi. Et voilà, j'arrête l'enregistrement. Oh là là, c'est bon. Hop. Oh bah moi j'ai arrêté bientôt. Je sors ma chaîne, je reviens. Vas-y.
dû avoir une tendine de ces trucs là. Vas-y, va te faire cuire. Trop mal. Oh. Oh non. Bon bah on est léger. Allez, let's go. J'espère que j'ai pas fait le con. Non, c'est vrai. Remonter, et normalement j'aurais bientôt fini mon passage. Là, c'est qui détruit là sur la. Sur le. L'écran de. De sélection de God of War Collection. Qui détruit? Ouais, regarde. Sur mon live. Attends. Parce que moi j'ai pas encore fini, hein. Je suis toujours en live. Ouais. Enfin, pas de soucis. Ah non, je vais mettre le bouclier. Voilà. Et là, s'il y aurait un petit point de sauvegarde, ce serait sympathique. Ah, point de sauvegarde. Voilà. Et ben, on va s'arrêter là. Et je vais regarder à combien de temps je suis. Minutes 2h42 et 25 secondes. Alors moi j'en ai fait. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. 3h15.